Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. Alors comme annoncé et comme prévu et promis donc la fois précédente, grosse voire même très grosse revue masque aujourd'hui avec la présentation d'une création de Cliff Dagger. J'ai eu l'occasion de vous en parler un petit peu la semaine dernière. Donc qui est entre guillemets donc voilà en partenariat avec moi et mon sponsor Yanis, et nous allons découvrir ensemble justement une création entière réalisée par ce Cliff Dagger, une réalisation absolument mortelle, hallucinante, sensationnelle. Enfin voilà, je l'ai manipulé un petit peu, je suis juste sur le cul et complètement subjugué par le travail qu'il a fourni. Donc voilà, bah, je vais pas continuer plus loin et sans perdre temps, de temps, pardon, voilà, c'est l'émotion. Nous allons tout de suite donc passer à cette petite revue. Et comme toujours, Mini-moi et Mini-moi vous feront quant à eux un petit coucou en fin de revue. Allez, à tout de suite les petits amis, c'est parti! Bah, alors Mini-moi, toujours pas ton maker? Non, je l'ai pas récupéré. Fais chier. De toute façon, ça me prend la tête en ce moment, le mec. Et puis, là, j'ai voulu être un petit peu sur le thème et sur l'actualité, masque. Alors, j'ai pris ce nouveau véhicule. Regarde, ça tient pas de la gueule. Et t'es déguisé en masque là, en agent masque? Ben, ouais. Y a un truc qui me chiffonne. Hein. Quoi? Ta coupe de cheveux. Oh ouais. Oh, ça, je crois pas que ça existe dans masque. Hein. Ben, quoi? Qu'est-ce qu'elle a, ma coupe des cheveux? Bah, ça te jette pas un peu avec le port du masque? Non, ça va. Tu peux me dire, me le regarder en face et me le dire? Non, je préfère pas. Et pourquoi? Parce que j'ai un peu l'air con. Bah vas-y, montre, t'es plus à ça près maintenant. Bon, ok. Ben voilà, tu vois. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Ta touffe t'empêche de mettre ton masque. Ben ouais, j'ai essayé, hein, mais rien à faire, ça rentre pas. Ah ouais, c'est un peu la loose là quand même. Ben, ouais, c'est vrai. Oh, un agent Max! Oh, c'est trop la honte! Ouais, bah pas autant que toi. Tu sais toujours pas dire masque, mec. Et puis si tu continues à me chercher, je te préviens, mon masque aussi à moi a un pouvoir. Alors fais gaffe à toi. Bon bah allez, hein, nous, on va y aller parce que sinon, ça va tourner au vinaigre cette histoire. Allez, à tout à l'heure les mecs. Tchuss! Un chevalier Max! Yeah! Et voici donc pour commencer un petit aperçu de la boîte. Donc il s'agit du Big Stomp, la remorque de Rhino. Alors bien entendu, pour celles et ceux qui connaissent Mask, le dessin animé Mask de l'époque, Rhino n'a jamais eu de remorque, on est bien d'accord. Mais Cliff Dagger a poussé un petit peu la réflexion, voilà, un peu plus loin que ce qu'on pouvait imaginez, puisqu'il ne se contente pas que de refaire des pièces ou autres, il crée aussi des choses, et il s'est dit, voilà, mon point de vue, si le Rhino devait avoir une remorque, voilà pour moi à quoi celle-ci devrait ressembler. Et croyez-moi, il a tout à fait mis dans le mine, puisque non seulement nous retrouvons l'esprit du dessin animé Mask, mais voilà, il n'y a pas d'exagération, c'est tout à fait dans la logique et dans la cohérence de l'époque. La boîte est superbe. Alors, la boîte, bien entendu, n'existe pas non plus, hein, c'est une création également donc de Cliff Dagger. Alors nous voyons bien justement ici sur le bas de la boîte qu'au lieu d'avoir la marque la marque du fabricant Kenner, voilà, nous avons donc la marque du créateur Dagger. Voilà, le jeu de mots reste le même et ça rime. Alors donc il est indiqué, hein, bien entendu, que il y a des sons et lumières et qu'il ne faut pas donner ce jouet entre guillemets parce que c'est avant tout une pièce de collection, voilà, un peu délicate à manipuler. C'est vraiment pour le collectionneur. Surtout ne donnez pas ça à vos enfants, sinon voilà, ce serait un véritable gâchis, dégâts. Ça fonctionne avec piles. Il y a tout un tas de petits gadgets. Les piles sont incluses. Donc ça fait vachement plaisir. Et puis donc voilà un petit peu hein, pour l'aperçu donc de la boîte sur la tranche latérale droite. Hop là, on va bifurquer tout ça. Nous avons quoi? Nous avons voilà quelques gimmicks et présentations donc du Big Stomp sur la tranche latérale gauche. La même chose
de dessous. Voilà un petit peu donc un aperçu de la remorque dans son mode, voilà, dans son mode civil et dans son mode base d'attaque. Il est indiqué également donc que ce playset est vendu, donc est fourni avec un petit drone qui fonctionne réellement. On reviendra dessus juste après, puisque voilà, j'ai un petit problème avec le mien. Et puis sur le dessus, donc voilà, exactement la même chose. Voilà pour la boîte hein, qui reste en totale adéquation avec les boîtes que nous avions donc en 85. Je vous parle aussi brièvement de l'insert qui se trouve donc à l'intérieur de la boîte, hein, pour vous montrer un petit peu avec voilà quel soin a apporté jusqu'au bout donc Cliff, voilà, en proposant voilà de quoi ranger proprement et soigneusement tout en étant bien calé le véhicule masque sans risquer de le choquer ou d'abîmer. Donc voilà, même voilà l'insert intérieur est vraiment très très propre. En termes de contenu, nous y retrouvons bien évidemment la notice, là encore tout à fait dans l'esprit des notices masques de l'époque. Et puis nous avons là encore, toujours en respect et en clin d'œil à la bonne vieille époque, un catalogue masque où nous avons donc, nous retrouvons voilà quelques véhicules et surtout un exemple des créations voilà que propose Cliff Dagger, donc à savoir l'ordinateur masque avec Matt Tracker en civil, personnage qui n'existe pas à la base, hein, totalement créé, puisque on a toujours eu donc les personnages avec leur tenue de combat. Nous avons donc le Big Stomp que je vais vous proposer. Nous avons donc le transporteur plane, le transport plane, le fameux et énorme avion qui transporte les véhicules masques pour les emmener dans d'autres pays en mission. Voilà, un playset absolument monstrueux. Et puis au dos de la boîte, donc au dos du petit livret, pardon, donc voilà un superbe artwork et mini poster également, hein, on peut le dire, voilà représentant donc le playset. À savoir que ce playset a été donc conçu en 3 exemplaires, 3 seuls et uniques exemplaires pour le monde. Un donc appartenant bien évidemment à Cliff, le second un américain donc qui lui en a fait l'acquisition, et le troisième propriétaire donc mon sponsor MSN Yanis, voilà, qui s'est fait ce plaisir là avec le sous-sol masque que je vous ai, que vous pouvez donc découvrir dans l'intro de mes vidéos. Donc voilà, seulement 3 remorques existantes, et donc voilà, ça c'est vraiment super fort, une véritable pièce de collection, même si celle-ci n'est pas officielle. Nous retrouvons également donc dans ce playset un drone cette fois-ci officiel, voilà, un petit drone que voici, que voilà, qui vole réellement grâce à la toute petite manette que vous avez juste ici. Vous voyez, vous avez le bouton donc pour l'allumer avec donc les touches pour le diriger. Donc ça c'est plutôt super sympa. Alors vous avez deux caches, hein, un cache bleu comme celui-ci, bleu clair, et puis enfin bleu ciel, et un cache rouge. Petit bémol par contre, c'est que la prise USB, puisque le drone se recharge en USB, la prise USB n'est pas fournie dedans. Or, il ne s'agit ni d'un USB type C, ni d'un micro USB, mais voilà, d'un port vraiment. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, je vais essayer de faire mon possible pour que vous puissiez comprendre un petit peu où je veux en venir. Voilà, il s'agit d'un port vraiment spécifique qui n'est pas inclus dans la boîte et qui donc m'a complètement empêché de pouvoir recharger le drone pour vous en faire la démonstration. C'est un petit peu dommage, voilà, le drone n'étant pas chargé, vous voyez, même si j'appuie sur on, bah il n'y a pas d'interaction entre la télécommande et le drone. Et puis donc sur cet exemplaire, à noter également qu'il manque une hélice, voilà, donc je sais pas s'il aurait très très bien volé du fait qu'il aurait manqué un petit peu d'équilibre, mais en tout cas voilà, c'est très sympathique d'avoir intégré donc ce petit bonus supplémentaire qui en plus fonctionne vraiment. Et nous allons donc pouvoir commencer au sujet qui nous intéresse le plus, le fameux Big Stomp. Et la voici, la voilà, la remorque du Rhino. Et je vais donc du coup, voilà, modifier sa position, puisque nous avons, voilà, les béquilles de maintien, juste ici. Alors évitez de trop bousculer, puisque les béquilles sont assez sensibles, et donc le risque c'est que, bah voilà, la remorque bascule. Mais les béquilles sont bel et bien présentes, ce qui nous permet de pouvoir, voilà, positionner le tout de façon soyeuse. Alors, non seulement on se dit, en voyant la boîte, que voilà, déjà, on a quelque chose qui promet du lourd, mais une fois
la remorque en main devant nos yeux, on est juste subjugué par la qualité du travail, à savoir que ça a été fait donc sur une imprimante 3D, que Cliff a dû vraiment galérer, mais galérer comme un malade pour essayer de concevoir les plans, les modifications et autres jusqu'au résultat final. Ça a dû demander un sacré paquet d'heures de travail, hein. C'est pour ça que ces œuvres aussi coûtent un certain prix, mais quand on voit le résultat, voilà, c'est absolument sensationnel. On retrouve bien donc l'esprit masque avec la bande, tout comme donc pour le Rhino, la couleur de la remorque en elle-même qui est là encore fidèle à la couleur du Rhino, ça c'est vraiment du tout bon. Regardez-moi cette échelle, c'est juste monstrueux, avec ici donc The Big Stomp, voilà, en gros dessus, les roues roulent réellement, voilà, elles tournent vraiment, ça c'est aussi vraiment du bon boulot. Que dire d'autre, bah, on va faire voilà, un petit 360. Alors je n'ai pas mon support qui s'oriente parce que voilà, la remorque est vraiment trop grosse pour tenir dessus, mais voilà, hein, déjà le Rhino juste ici, voilà, la représentation est juste superbe. De dos, voilà ce que ça donne. Alors hop là, monsieur Focus s'il vous plaît, voilà l'arrière de la remorque, hop, je reclipse ça avec l'autocollant Dagger Custom, hein, quand même, avouez que ça vous a de la gueule, des feux translucides, comme je vous le disais, hein, les roues roulent véritablement, voilà, sur l'autre côté, voilà un petit peu, donc la même chose, avec un petit peu moins de compartiments. Alors la remorque pèse, parce qu'il y a tout un système, alors je vous montre, en essayant de faire attention, vous voyez, vous avez plusieurs piles à l'intérieur, vous avez tout un système de fils, et autres, enfin bref, voilà, toutes ces améliorations apportées à la remorque, donc lui donne quand même un poids conséquent en main. Et c'est pas rien de le dire, alors j'essaye vraiment de la manipuler le plus délicatement possible. Et voilà, donc pour terminer, la remorque de face. Au niveau du toit, voilà ce que ça donne, donc ça laisse déjà supposer quelques petits gimmicks bien sympas. Et donc, je m'éloigne un peu pour vous montrer également qu'elle est bien entendu compatible avec le Rhino. Nous avons une échelle qui, ma foi, est vraiment cohérente, rien de négatif à dire là-dessus. On respecte une fois de plus à la fois l'échelle véhicule et l'échelle donc avec les figurines. Voilà, c'est vraiment du bonheur. Comme vous pouvez le voir, hein, on peut quand même faire pivoter un petit peu donc le Rhino. Voilà, juste ce qu'il faut. Donc que ce soit dans ce display là, voilà, on a quand même quelque chose de bien. Alors oui, hein, je le répète, la remorque masque n'existait pas, mais si elle devait exister, pour moi c'est vraiment, voilà, à quoi elle pourrait ressembler. On est dans quelque chose de vraiment très très cohérent. Alors concernant les gimmicks, à présent on va commencer par ce côté-ci, par cette face-là qui est quand même la plus allégée en termes donc de gimmicks et de fonctionnalités. Donc vous avez ce petit panneau à l'arrière que vous pouvez baisser comme ceci. Vous avez donc une petite arme juste ici, des petits écrans d'ordinateur et autres. Donc vraiment, franchement, sympatoche comme tout. Et bon, ça du coup, je vais le laisser baisser comme ceci. Vous avez également donc ces parties-là que vous pouvez ouvrir de façon à stocker des éléments si vous le souhaitez. Et en parlant d'éléments, donc il n'y avait pas le cordon qui relie le radar à la remorque, donc j'ai pris un petit fil à Scooby-Doo que je fournis à mon pote Yanis, et du coup donc qui servira pour faire ce petit gimmick. On peut refermer à présent donc ces parties là nous avons encore juste ici un autre petit volet qui s'abaisse comme ceci. On voit donc masque. Alors je vais plutôt passer par ici, faire un petit zoom, baisser la camérouche, hop, et vous avez juste ici donc voilà deux canons, voilà, avec encore donc tout plein de circuits électroniques à l'intérieur, à savoir également que les autocollants ne tiennent pas superbement bien, ils ont tendance à se décoller un petit peu, mais bon voilà, avec une colle spéciale qu'on peut trouver notamment chez Toy Axe, on peut tout restaurer sans problème. Donc voilà pour ce gimmick secondaire. Et puis donc troisième gimmick pour ce côté-ci, voilà, nous avons un lance-missile, un lance-roquette plutôt, voilà, pourvu de 4 roquettes. Alors là encore, je tourne la camérouche et qui est monté donc sur un petit bras articulé comme ceci, et à savoir donc que les missiles, voilà, s'éjectent complètement tous les 4. Voilà, très bonne initiative également donc que ce concept, voilà, de jouer avec missiles éjectables, tout comme à l'époque. Alors, avant de poursuivre donc avec la face principale qui nous intéresse le plus,
comme je vous l'ai dit, donc nous avons un petit cordon ici pour le radar. Vous avez à l'arrière un petit compartiment, voilà, lorsque vous tirez sur cette partie-là, où se trouve donc le logement pour le radar. Et ensuite, donc, vous pouvez refermer le tout, voilà, comme ceci. Et ensuite, donc, on peut repasser à la face principale, que voici, que voilà. Et là encore, donc, à l'intérieur de ce compartiment-ci, vous avez les éléments du pied. Alors, c'est pas, pour ceux qui connaissent un petit peu la gamme masque, hein, ce n'est pas non plus sans nous rappeler les petits gimmicks avec le véhicule Outlaw, hein, qui comporte à peu près le même des idées similaires. Voilà, donc on installe ceci correctement. Ensuite, la tête du radar, puisque bon, c'est une balise mobile. Voilà, c'est à eux aussi en même temps de travailler un petit peu pour préparer le tout. Alors, je vais juste tourner la tête du radar dans ce sens-là pour que le trou du câble... Alors, le câble, hein, c'est juste un fil à Scooby-Doo. Hein. Donc, l'idéal, bien sûr, est d'en avoir un noir. Je n'en avais pas sous la main. Donc, j'ai pris avec ce que j'avais. Voilà, on fixe déjà donc l'alimentation au radar. Ensuite, vous abaissez ce petit compartiment juste ici, et là vous avez donc un petit ordinateur, voilà, qui va venir récupérer les données du radar. Donc on relie le tout ensemble comme ceci, et voilà donc déjà pour le radar. C'est pas beau. On revient ensuite à cette partie là tout d'abord, vous allez venir attraper, voilà, cette plaque juste ici, vous la ramenez vers vous comme ceci. Voilà, vous tirez délicatement, bien entendu. Ensuite, vous sortez ça comme ceci pour fixer donc cette partie-là. Vous pouvez à présent sortir ce compartiment-ci juste ici. Une sorte de tiroir que l'on peut même retirer, et je vais justement, voilà, le sortir pour l'occasion, donc avec un fauteuil pour placer une figurine, les ordinateurs, et vous avez juste ici donc un lance-missile, voilà, avec un bon gros joli missile, toujours le symbole masque, et nous avons donc le petit poussoir de façon, hop là, à éjecter le missile, et ça s'éjecte parfaitement. Donc une fois ce compartiment-ci donc sorti, vous pouvez ensuite abaisser également, voilà, le panneau juste ici, un peu le même principe que de l'autre côté. On retrouve là encore un lance-missile, un lance-roquette avec 4 roquettes. Faites attention, elles sont très pointues. Donc là encore, je reviens sur la sécurité pour les enfants. Éviter des enfants jouer avec, parce que s'ils se le prennent dans l'œil, à mon avis, ça va, voilà, ça risque de lui faire bobo, et sans doute bien pire, avec là encore, donc, pas mal de petits ordinateurs, de petits, voilà, de petits circuits électroniques et autres. C'est juste sublime. Le souci du détail, vraiment, est à souligner. Ensuite, vous avez sur le dessus, voilà, sur le toit, juste ici, alors je vous montre. Hop, comme ceci, je remonte la lampe, vous avez une petite trappe que vous faites glisser comme ceci, voilà, et cette petite trappe donc vous permet de pouvoir sortir, hop, voilà, un gros canon laser, voilà, et ensuite comme ceci, là encore c'est juste sensationnel, à savoir qu'on peut loger à l'intérieur de la remorque cette figurine. Donc c'est pas rien pour une base mobile, sachant que le Rhino est déjà lui-même une mini base mobile. Ensuite, vous pouvez ouvrir, voilà, ce compartiment là dans lequel nous avons à nouveau des ordinateurs et un petit, voilà, une petite arme de défense ici que vous pouvez pivoter donc de gauche à droite. Quand c'est fait, vous pouvez aussi ouvrir
Donc, la porte arrière. Alors, je vais passer par là pour que vous puissiez voir. Donc, vous ouvrez l'arrière comme ceci. Vous rabattez complètement par-dessus et vous rabattez à nouveau l'ensemble comme ceci. Voilà, on pose le tout. Et là, nous avons encore une nouvelle fois une batterie de tir que vous pouvez donc pivoter. Plus qu'à abaisser les canons comme ceci. Alors, les canons à impulsion électronique ou canon ionique. Un petit fauteuil de façon à placer, là encore, une figurine. Ensuite, pour ouvrir ce panneau-ci, vous avez donc deux petites sécurités juste ici, deux petites molettes. Donc, vous les désengagez de façon à déloquer cette partie-là qui va venir donc reposer sur son support, comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous pouvez, là encore, orienter les deux batteries d'artillerie comme ceci. Et là, je vais baisser un petit peu la caméra. Alors, je ne sais pas si ça se voit. Hein, on a donc à l'intérieur le QG. Voilà, avec des écrans d'ordinateur absolument partout. Alors là encore, les autocollants par contre se décollent un petit peu. Alors, je ne sais pas si je vais. Voilà, je refais un petit réglage. Un petit zoom et voilà donc nous avons l'intérieur avec tout plein d'écrans hein, que ce soit voilà sur la gauche ou sur la droite et on aperçoit donc sur l'écran principal Cliff Dagger voilà le méchant l'un des méchants de la bande avec son 4x4 et puis donc Venom au volant de son avion. C'est absolument magnifique. Là encore, donc vous pouvez y placer deux figurines. Donc vraiment superbe. Alors on voit qu'il y a des petits câbles ici. Je reviendrai dessus après. Donc plus qu'à maintenant, voilà, agrémenter donc le tout de petites figurines et je suis à vous. Et voilà, donc chacun de nos agents du masque a pris du moins possession de son siège, donc prêt à attaquer, surveiller, défendre, chercher, capturer, grâce au petit drone aussi qui va faire de la reconnaissance. Alors, je vais monter un petit peu ma lampe pour que vous puissiez voir un petit peu le résultat vu du dessus. Regardez un petit peu les finitions. L'arrière, je viens dessus, mais je reviendrai après. Voilà, là encore, nous avons. Donc, Matt Tracker avec son ordinateur, un énorme canon juste ici et un autre canon juste là. À savoir que vous avez ce compartiment-là que vous pouvez ouvrir. Alors, je vais essayer d'y aller le plus délicatement possible. Hop, voilà. Vous pouvez complètement sortir ce bloc-là et vous avez donc à l'intérieur un compartiment qui vous permet de mettre des petites billes en plastique, petite bille de type airsoft, et lorsque vous appuyez donc sur le petit levier juste ici, voilà, vous avez le moteur qui s'actionne pour lancer les billes. Alors moi je sens, hein, on sent le souffle, voilà. Donc à savoir hein, que voilà, vous pouvez mettre quelques billes, ou sinon vous avez également, hop là, un compartiment plus gros, une grosse cheminée comme celle-ci, et là celle-ci vous avez juste à la positionner. Comme cela. Alors, je vais faire une petite pause, ce sera plus simple. Voilà, ce qui vous fait une sorte de chambre un peu plus grande. Pourquoi? Tout simplement pour vous permettre de stocker, si vous le souhaitez, un nombre plus important et plus conséquent de billes. Et ça, c'est encore une fois super bien pensé. Autre gimmick qui tue, hein, pas d'autre mot à dire, c'est tout simplement comme ça. Et pour vous montrer ça, je vais quand même retirer les figurines qui se trouvent à l'intérieur. Voilà, on va essayer, puisque les fauteuils sont rotatifs, de les placer autrement. Voilà, vous avez juste ici un petit poussoir, juste là, en noir. Vous interagissez avec en le soulevant. Alors, finalement, je vais être obligé
voilà, de procéder comme ceci. Voilà, nous avons ni plus ni moins que les ordinateurs, dont l'ordinateur principal, entièrement éclairé pour faire ressortir de fort belle façon donc les dessins. Alors je vais éteindre mon autre lumière, voilà, et ce sera du coup un peu plus convaincant. On voit les lumières un peu, voilà, placées un peu partout. Ah, ça c'est juste mortel. J'adore, yeah! Et cerise sur le gâteau, lorsque vous appuyez sur le petit poussoir qui est juste ici, regardez bien ce qui va se passer. Absolument monstrueux, c'est du tonnerre, regardez, bah c'est, voilà, j'ai pas de mots. Ça a été vraiment super soigné, super pensé, super peaufiné. Les tableaux, les ordinateurs qui s'allument, voilà, moi je, voilà, je craque tout simplement. Les armes qui s'illuminent entièrement avec les tubes transparents et autres. C'est vraiment, vraiment, vraiment la grande classe. Et on s'attarde rapidement sur les finitions, donc à l'intérieur de l'arrière de la remorque. Là encore, pas grand chose à dire. Comme je vous disais, l'énorme canon juste ici, donc lanceur de billes avec le chargeur ici. Que dire, donc vous avez la possibilité soit de mettre quelques billes ou en ajoutant donc voilà cette espèce de cheminée supplémentaire, ajouter un peu plus de billes encore donc au niveau des munitions. Et on retrouve là aussi donc le canon. Alors je vais remonter la caméra rouge. Voilà le canon utilisé pour le moment par Matt Tracker. Et là encore, une fois de plus, j'appuie sur le petit poussoir juste ici. Et voilà. Là encore, vous avez son et lumière. Et croyez-moi, quand tout fonctionne en même temps, c'est juste monstrueux. Un véritable régal que cette remorque, nom de Zeus, que c'est beau! Wouhou! Et vous avez juste ici, là encore, vous voyez, le passage, la goulotte, qui permet aussi de faire passer les billes. Voilà, vraiment, tout a été pensé. J'ose pas savoir, j'ose pas imaginer donc le nombre d'heures que Cliff Dagger a pu passer à élaborer donc cette remorque. Il a dû vraiment suer sang et larmes. Mais voilà, le résultat est là, et pour les fans que nous sommes de masques, c'est voilà, c'est juste un pur bonheur. Comment retrouver là, en une fraction de seconde, toutes les émotions qu'on avait à notre enfance, dans notre enfance, avec les jouets, quoi. Là, c'est juste, voilà, c'est juste prodigieux. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée au sublissime Big Stomp. Donc, pour accompagner le Rhino de la gamme Mask, que dire, voilà, Cliff Dagger, vous l'avez constaté par vous-même, a réalisé un boulot absolument remarquable, sensationnel. Alors, quelques petits défauts par-ci, par-là, certes, mais j'insiste, ce n'est pas un jouet, c'est avant tout une pièce de collection qui ravira les collectionneurs. Voilà, que dire, voilà, un tel résultat avec une imprimante 3D, avoir fait aussi bien, si ce n'est mieux que ce qu'aurait peut-être pu faire Kenner à l'époque, moi je dis chapeau, en apportant quelques petites innovations par rapport aux technologies actuelles, tout en conservant l'esprit des gammes de jouets de 85, voilà, c'est vraiment chapeau, chapeau l'artiste, ce magnifique Rhino aussi, voilà, qui orne de fort belle façon cette remorque, des couleurs fidèles au camion, une échelle respectée, plein de gimmicks, de sons, de lumière, de compartiments qui s'ouvrent, la possibilité de pouvoir mettre cette figurine à l'intérieur, bref, voilà, que du bonheur. Alors bien sûr, hein, ce n'est pas le mien, je vous l'ai précisé, hein, mais voilà, je remercie quand même Cliff Dagger pour sa confiance,
pour m'avoir donc permis de présenter en exclusivité, voilà, la troisième pièce existante, puisque comme je vous le rappelle, il n'existe que trois pièces de cette remorque. Donc voilà, vraiment un privilège pour moi. Je remercie également donc mon mécène, sponsor et ami Yanis, qui m'a laissé donc ce précieux entre les mains, de façon à pouvoir, voilà, m'amuser un petit peu avec, le découvrir, tout comme la base. La prochaine revue, alors je ferai une revue par la suite, ça sera peut-être pas la prochaine, mais voilà, je vous présenterai également à l'occasion donc un véhicule qui provient de Cliff d'ailleurs et qui cette fois-ci est vraiment à moi. C'est le mien à moi. Voilà. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, vos avis sur ce que vous avez pensé de cette remorque absolument magnifique. Si vous voulez en savoir plus sur Cliff Dagger, bah, n'hésitez pas à chercher sur Facebook, hein, vous le trouverez assez facilement. Et puis sur d'autres groupes de collectionneurs et de fans de la Dégame Masque. Voilà, c'est quelqu'un qui commence à être vachement reconnu à travers le monde, qui fait quelques commandes spécifiques pour certaines personnes un petit peu fortunées, hein, qui ont un petit peu beaucoup de thunes pour se permettre de s'offrir, voilà, ne serait-ce que la remorque, hein, qui coûte, qui est juste en termes de prix insane, voilà, qui n'est donc pas à la portée de toutes les bourses. Voilà, que dire, voilà, un privilège pour moi d'avoir eu l'occasion de manipuler et de vous présenter cette petite pépite. Je vous souhaite quoi? Bah, tout simplement, bah, un super week-end, amusez-vous bien, profitez-en bien, reposez-vous bien et quoi qu'il en soit, toujours dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Bon, sinon Mini-moi, c'est quoi ton pouvoir à toi alors? Ton pouvoir du masque? Oh, j'ai réussi à le dire. Oh, j'ai réussi à dire Max. Oh merde, ça recommence. Oh, il faut que je m'entraîne. Oh, je tenais le bon bout. Le pouvoir du masque. Je te donne un indice. Oh, ce croissant. Tu devines pas? Regarde, mec. Oh, moi, ça croise. Alors, t'as trouvé un indice? Bon, on dirait un débouchiot. Ouais, c'est un débouchiot. Et tu sais pourquoi? Parce que tu vas en avoir grand besoin. Et maintenant, je te montre le pouvoir de mon masque. Guerreur, action. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai trop mal au bide. On dirait que j'ai mangé 10 litres de soupe à l'oignon. Oh, c'est mortel. Je crois que je vais me chier dessus. Ouais, c'est pour ça. L'intérêt du débouche-shot, dans un premier temps, tu te bouches le trou fignon avec, et dans un deuxième temps, tu déboucheras tes shots, parce que là, à mon avis, t'as pas fini. Allez tous! Pourvu que ça tienne jusqu'à ce que j'arrive au shot. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.